On a commencé en fait à récolter des éléments à partir du moment où on a dénoncé une affiche d'un gala de médecine qui illustrait une femme nue, allongée, inconsciente, entourée d'hommes, voilà, qui pour nous était une incitation explicite au viol. Et donc on a demandé à la présidence de l'université de retirer cette affiche. Suite à ça, on a pu du coup collecter des éléments. Alors la fameuse liste des commandements, une soixantaine de commandements, c'est-à-dire de défis à réaliser par les étudiants de médecine, qui sort tous les ans à peu près au mois d'octobre. Des défis qui doivent être filmés, qui sont ensuite du coup publiés. On a pu récolter aussi des informations sur des pages Facebook de la corpo de médecine, et puis des témoignages en fait anonymes de personnes qui sont venues témoigner de ce qui pouvait se passer dans les week-ends d'intégration notamment. Alors que se passe-t-il lors des week-ends d'intégration ? Des débordements liés à l'alcool et qui du coup créent un climat complètement délétère et de transgression où peuvent y avoir des débordements en fait. Il y a un témoignage dans Vacarme, le média Vacarme, de quelqu'un qui témoigne en fait sur les débordements qu'il peut y avoir, avec des débordements à caractère sexuel, de même que les commandements, hein, où on peut demander par exemple aux étudiants de faire des attouchements sexuels à des inconnus dans la rue et de se filmer en train de le faire, donc, ce qui est parfaitement évidemment illégal et qui exclut de toute façon la possibilité d'être libre ou pas libre de le faire, puisque la personne qui est agressée dans la rue, on ne lui a pas demandé son avis à elle. Voilà. Donc nous on condamne tous ces éléments-là qui ne sont pas tolérables au sein de l'université, d'un service public. Le bizutage est interdit, voilà. Ça crée des situations qui sont pas tolérables et qui nous interrogent, notamment auprès de personnels soignants qui vont devoir s'occuper dans le futur de corps de malades, et ce rapport au corps et au respect du corps de l'autre nous interroge, nous en tant qu'organisation syndicale féministe et antisexiste. Donc en fait pour vous c'est un jeu qui dérape quoi. Ces défis, ces commandements. Oui, enfin c'est plus qu'un jeu qui dérape très très fortement en fait. Enfin c'est quand même, on est dans de l'humiliation, dans de l'agression à caractère sexuel. Donc c'est plus que du dérapage en fait.